Comme l'a dit si bien, comment tu t'appelles? Alim. Alim, excuse-moi. Alim, comme l'a dit si bien Alim qui ne travaille pas et qui fait du sport, qui est vraiment un foot vétéran. Le mec a même pas bossé, il est déjà à la retraite. Ouais, j'ai pas bossé, mais je suis passé directement à la retraite. Et pas le temps pour ces conneries. Je préférais attendre tranquille et voir des spectacles. Plus c'est ma femme qui paye. Voilà, la foot. Voilà. N'applaudissez pas ça, n'applaudissez pas ça. Ah, franchement, c'est honteux. C'est honteux. On a complètement perdu les esthéticiennes, je vous le dis tout de suite. Hein. Elles sont très dissipées. Je reste sur ce que je disais, le sport national, c'est le football. Cette année, l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde de foot. Enfin, la section d'assaut a gagné la Coupe du Monde de foot. On a tous cru qu'on était tous champions du monde. Dans la rue, c'était n'importe quoi. Ils transformaient tout en champ positif. J'ai vu un mec faire une demande en mariage ratée. Et les gens criaient « Elle a dit non ! Elle a dit non ! Elle a dit non !» Eh, hey, c'était pas le jour pour apprendre que t'avais un cancer. Qui ne saute pas fait pas de chimio ! Oh ! Qui ne saute pas fait pas de chimio ! Oh ! On était surexcités. Non, je vous le dis, c'est la vérité, on était complètement fous. Même notre président, on l'avait perdu. Il faisait des tables. Eh, hey, Pogba, en marche arrière ! Il faisait des snaps, on l'avait perdu. Il y aurait eu un coup d'état, il aurait tout lâché. On vient prendre le pays. J'en ai rien à foutre, on est champion du monde. Venez, on fait une photo. Penala, viens, on fait une quenelle. On s'en bat les couilles. Moi, pour moi, la révélation de la Coupe du Monde, c'est les Japonais. Ils ont perdu, mais ils étaient forts, tactiques. Et quand ils ont perdu, ils ont nettoyé tout le vestiaire. Et ils ont laissé un petit mot en russe pour dire merci. Comme quoi, deux bombes atomiques, ça t'apprend les bonnes manières. Hein? T'as un jour préféré? Messi. Nous, ils sont fait chier, hein. Le mec, vous voyez pas, il est dans un boudoir. Oui, je fume une petite pipe. Oui, Messi, j'aime bien. Pose-moi une question, dans 15 minutes, je te répondrai peut-être également sur un autre sujet qui m'intéresse, comme la roue de David. J'avais également des trucs intéressants à dire là-dessus. Moi, Jean-Jean, c'est Benzema. J'étais déçu qu'il joue pas en équipe de France à cause d'histoire de la sextape de Mathieu Valbuena. Mais entre nous, on est juste entre nous, ça sort pas d'ici. Qui a envie de voir la sextape de Mathieu Valbuena? Qui a envie de voir Mathieu Valbuena galérer pour monter dans un lit superposé? Qui? Mathieu Valbuena, c'est même pas un vrai joueur de foot. C'est un joueur de baby-foot qui a été dévissé de sa barre.